toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette capsule, et bien pour cette dernière semaine du mois d'août et le commencement du mois de septembre, semaine du lundi 28 août au dimanche 3 septembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Je termine avec le tarot de Marseille. Vous allez avoir la possibilité de choisir entre la carte numéro 1, la 2 et la 3. Quelles vont être les énergies de ces cartes pour cette semaine? Je vais me répéter, le tarot de Marseille n'a pas la science infuse, mais ce tarot peut vous aiguiller dans la problématique que vous êtes pour le moment, vous êtes peut-être aussi dans un questionnement, une difficulté, vous attendez, vous aimeriez avoir une réponse, eh bien, cela peut vous aiguiller. Soyez vraiment bien, bien à l'aise, n'est-ce pas, pour choisir votre carte. Quelle est la carte qui vous inspire? Posez votre question et choisissez votre carte. La 1, la 2 ou la 3? Je vous laisse un moment pour réfléchir. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, eh bien, j'ai pigé le chariot à l'endroit. Les choses progressent pour certains d'entre vous. Si vous écoutez votre intuition, eh bien, la direction à prendre, elle est très claire. Et ce qui est attendu au final est une magnifique victoire. Le chariot appelle à la détermination, au travail et à la confiance en soi. Pas à pas, petite victoire après petite victoire, vous avancez vers l'accomplissement de soi. Il s'agit d'ailleurs d'un cercle vertueux où la détermination permet, eh bien, le succès et le succès renforce la détermination. Maintenant, si je prends l'énergie du chariot, il a la maîtrise de soi, c'est-à-dire la capacité à diriger ses émotions et à contrôler ses impulsions. Il y a une volonté très forte et une détermination à atteindre ses objectifs. Le chariot avance vers un but ou une destination. Pour terminer, eh bien, c'est une arcane de réussite, de victoire et de triomphe. Elle indique, eh bien, que la personne est sur la voie du succès. On vous encourage à faire preuve de détermination, à maintenir votre cap, malgré les obstacles que vous pouvez rencontrer et à utiliser, eh bien, votre force intérieure pour surmonter les défis. Le chariot et le professionnel. C'est en sortant de votre zone de confort que vous vous accorderez des opportunités. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, il n'y a rien qui se passera. Aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas avancer dans vos projets, de ressasser peut-être les mêmes choses, mais en fait de vous ennuyer et de tourner en rond. Est-ce le cas? Il est parfois nécessaire, n'est-ce pas? Vous savez, de sortir de son cocon confortable. Sortir de sa zone de confort pour prendre des risques
et oser. Pourquoi pas partir à l'aventure? Pourquoi pas partir dans l'inconnu pour explorer d'autres choses? Et ça vous permet de grandir. Alors cette carte est une carte d'action. Alors, eh bien, en avant toute, n'est-ce pas? Vous allez peut-être avoir un gros dossier, vous allez peut-être avoir un partenariat, peut-être des nouveaux clients. L'heure est propice à l'avancée de vos projets professionnels. Il est temps pour vous de prendre les rênes avec assurance, d'assumer plus de responsabilités au travail, sans évidemment vous laisser impressionner par les collègues ou votre environnement de travail. Pour celles et ceux, si vous êtes en recherche d'un emploi ou que vous envisagez une reconversion professionnelle, eh bien, ce chariot vous conseille d'identifier ce sur quoi vous ne voulez pas transiger en termes de mission ou de conditions de travail, n'est-ce pas? Et une fois ces critères posés, noir sur blanc, eh bien, on vous invite à tenir bon. Votre détermination est la condition de votre réussite, c'est-à-dire un travail qui correspond bien à vos aspirations. Ne prenez pas n'importe quoi. Si ce n'est pas dans vos bottes, vous ne prenez pas. Voilà, ça c'est pour le professionnel, pour le sentimental. La carte du chariot vous indique qu'il est grand temps de poursuivre ce qui vous rend réellement heureux ou heureuse en amour. Inutile de perdre du temps à faire plaisir aux autres, à céder à une certaine forme de pression sociale ou encore de subir dans votre couple. Ce chariot vous invite à partir à la rencontre de la personne qui fera vibrer eh bien votre petit cœur et votre âme. Pour ceux et celles qui sont en couple, il est possible que vous souhaitiez progresser dans votre relation. Il pourrait s'agir que vous auriez un désir d'enfant, de mariage, de vivre ensemble. Mais vous n'obtenez pas de votre partenaire l'engagement que vous espérez. Alors une discussion directe et bienveillante s'impose. C'est vraiment nécessaire pour que vous puissiez exprimer vos souhaits intimes. Maintenant, pour celles et ceux qui sont en recherche de l'amour, pourquoi ne pas aller à sa rencontre de la façon la plus directe possible? Eh bien, persistez dans vos recherches pour trouver la personne qui vous correspond. Osez faire le premier pas. En tous les cas, vous gagnez à vous mettre dans l'énergie de ce beau chariot, volonté et détermination à ne pas céder sur l'essentiel. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle fin de semaine du mois d'août. On se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, je vous souhaite, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent, et pour ma part, je vous embrasse. À tout bientôt. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 2, eh bien, j'ai pigé le jugement à l'envers. Le jugement indique
que vous vous éveillez à de nouvelles envies et de nouveaux projets. Et ces désirs, eh bien, ne jaillissent pas sur un coup de tête, n'est-ce pas? Ils ont toujours été là, mais ils étaient enfouis. Et présentement, ils vont se réveiller en vous. Ils vont se révéler. À vous de leur donner forme et de les matérialiser, n'est-ce pas? Pour parvenir à mettre des mots sur vos envies profondes, sur les besoins de votre être authentique. Alors, vous êtes prêts? Car agir est dorénavant une nécessité, n'est-ce pas? On ne vous demande pas de faire le pendu. Restez immobile. Si cet appel est encore un peu flou, eh bien, cette carte conseille un temps pour vous de prise de recul. Quelles sont vos aspirations profondes présentement? Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que vous ne souhaitez pas reproduire ou que vous ne voulez plus reproduire? Qu'aimeriez-vous connaître? Qu'aimeriez-vous connaître en vous? Eh bien, voilà des questions dont vous découvrirez petit à petit les réponses. Cette carte est le professionnel. Eh bien, le jugement annonce que vous êtes appelé à d'autres fonctions. Peut-être que cela ne va plus dans votre travail. Vous êtes appelé à d'autres fonctions. Cela ne vous convient plus. Et cela pourrait vouloir dire que vous pourriez changer de poste. Vous pourriez prendre de plus grandes responsabilités ou encore changer d'orientation professionnelle, changer d'endroit, être dans une autre ville, dans un autre domaine. Alors cette carte vous invite à prendre un peu de recul et d'évaluer votre situation professionnelle. Quels sont vos talents et vos compétences? Quelles sont vos aspirations profondes? Alors on vous invite à ne pas persister dans une voie ou un travail qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. À vous de réfléchir à cela, n'est-ce pas, avec le jugement. Côté sentimental, cet arcane indique que quelque chose ne va pas et que vous ne pouvez plus vous le cacher. Vous occultez, vous faites la politique de l'autruche, vous savez, la tête dans le sable, mais il est temps de regarder la situation de façon objective et de mettre en œuvre les changements nécessaires. Si vous recherchez l'amour, eh bien, une nouvelle stratégie est à élaborer. Il y a peut-être quelque chose à réparer ou à guérir avant d'être en mesure d'aller vers l'autre. Peut-être que, posez-vous la question, avez-vous fait votre deuil de votre ancienne relation? Avez-vous fermer cette porte. Vous pouvez aussi en profiter pour réfléchir à vos relations précédentes, n'est-ce pas? Ce qui a fonctionné, ce qui vous plaisait, ce qui est essentiel à vos yeux chez l'autre, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne vous plaisait pas, ce qui ne vous plaisait pas. Avez-vous encore envie de revivre, eh bien, là je perds mes mots, ces relations qui ne vous convenaient pas,
Voilà, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Alors, si vous êtes en couple, le jugement vous demande de sonder votre petit cœur et d'être honnête. Être honnête d'abord avec vous-même, puis avec l'autre. Alors, des questions encore? C'est le jugement, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne dans votre cœur, dans votre couple, pardon? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre couple? Quelles sont vos attentes par rapport, eh bien, à cette relation? Il est temps d'avoir une conversation à cœur ouvert, hein, et à se dire les choses pour faire le point et savoir où en est réellement votre relation. Et c'est avec ces informations que vous êtes amené à prendre, eh bien, votre décision. Et la décision est partir ou rester. Il faut juste que vous restiez honnête avec vous-même et vos aspirations. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée, une magnifique semaine. On se retrouve dans une prochaine capsule et puis ben, d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent et prenez soin de vous en douceur, n'est-ce pas? Et moi, je vous embrasse, à très vite. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 3, eh bien j'ai pigé le mât, le fou, on l'appelle le fou aussi, hein, à l'endroit. Tourner le dos à ce que vous ne voulez plus est une bienveillance absolument pour vous. Après avoir traversé des épreuves physiques, émotionnelles, psychologiques, vous avez peut-être enfin trouvé une petite lumière qui vous appelle et vous montre un tout autre chemin. Il est possible, n'est-ce pas, que votre vie d'avant prenne fin pour que vous puissiez accéder à de nouvelles aventures avec une partie de vous que vous ne connaissiez pas jusqu'à aujourd'hui. Vous avez peut-être découvert que vous étiez plus fort que vous ne le pensiez, que vous aviez, eh bien, d'autres cordes à votre arc, que finalement, vous n'étiez pas cette personne que vous avez cru être et que peut-être très souvent les autres ont pensé à votre place. Vous pourriez avoir le sentiment de sortir d'une impasse, d'un enfermement, d'un syndrome limitant qui vous coupait réellement l'herbe sous le pied et qui vous laissait imaginer des histoires sombres. Eh bien, aujourd'hui, quelque chose de nouveau prend place en vous. Une nouvelle envie s'installe. Elle s'installe et grandit. Vos peurs s'atténuent et vous pouvez ressentir comme une prise de recul sur les événements car vous ne baignez plus dans la création de vos pensées. Des pensées qui n'étaient pas joyeuses, n'est-ce pas? On a l'impression que vous avez ouvert la porte d'une autre dimension dans laquelle vous allez pouvoir profiter pleinement de la vie, mais à condition que vous laissiez, attention, vos vieilles pensées devant le portail qui vous a mené jusqu'ici, n'est-ce pas?
Côté professionnel, le mât ou le fou est de bon augure pour un nouvel emploi, un changement professionnel ou un nouveau projet. En effet, cette carte évoque un nouveau cycle de vie. Cette carte aussi peut présager d'un déménagement ou d'une promotion. Alors peut-être serait-il bon présence de tenter quelque chose d'inhabituel. À présent, pardon, de tenter quelque chose d'inhabituel. De sortir, eh bien, aller de votre zone de confort. Regardez ce chien qui vous dit « Allez, allez, avance, avance, avance !» Prendre plus de responsabilités ou développer une nouvelle compétence. Alors, vous allez me dire, peut-être que ça paraît fou ou bien déraisonnable pour votre entourage. Mais attention à faire la part des choses, n'est-ce pas? Entre vrai désir et caprice, entre opportunité et prise de risque inconsidérée. Côté sentimental, eh bien, cette énergie du mât, du fou, est orientée vers le plaisir, le jeu et les rencontres. Pour celles et ceux qui cherchaient l'amour, eh bien, cette carte vous conseille de foncer et de vous lancer pleinement dans l'aventure, eh bien, de la découverte de l'autre. L'idée est de garder cette légèreté qui caractérise cette carte et de ne pas trop se poser de questions. Alors, une soirée, une sortie, une rencontre au travail, vous savez, tout événement de la vie est susceptible de provoquer une rencontre. Donc, foncez, allez-y. Si vous interrogez votre relation actuelle, eh bien, elle peut signifier l'inexpérience ou l'immaturité d'un des deux partenaires. Dans votre relation, il y a de l'immaturité, de l'inexpérience, donc peut-être qu'il vous faudrait avoir une conversation sur cela pour votre relation de couple. Cette carte peut aussi vous éclairer sur l'état de la relation. Celle-ci manque peut-être de fun. Votre dynamique de couple s'est peut-être endormie. Peut-être qu'il vous faut puiser dans l'énergie de ce mât, insouciante et légère pour réveiller votre couple. Surprendre l'autre et repartir. Il fut un temps où je conseillais, vous prenez par exemple un vase et chaque fois que vous pensez à quelque chose de votre couple, vous l'inscrivez sur un morceau de papier et vous le pliez, votre morceau de papier en quatre, et vous le mettez dans le vase. Alors vous pouvez inscrire ce que vous aimez, ce que vous aimeriez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne voulez plus. Et puis une fois par semaine, eh bien, vous aurez fait ça pendant une semaine, chacun, et une fois par semaine, vous prenez ce vase et vous tirez des papiers. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à ce que l'autre aime, à ce que l'autre n'aime pas, ne veut plus ce qu'il voudrait. C'est une très très bonne thérapie, vous savez. Allez, je vous souhaite une excellente journée, une magnifique semaine. Portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine capsule et d'ici là, moi je vous embrasse tout fort et à très vite.